Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oui, le dojilo. C'est toi qui es à l'œuvre. Oui, le dojilo. Yeshua, Bekaka. Seigneur, merci. Oui, le dojilo. Ono, naololo. Tes œuvres sont si grandes. Alors je le délève et je l'élève parce qu'il est Dieu. Alors il est le Dieu suprême. À la côte de la grâce, nous sommes victorieux. Alors à cause de la journée, je prie que Dieu seul règne sur ma vie. Alors, que Dieu soit seul mon roi et mon Seigneur. À cause de la journée, aujourd'hui le 13e jour, pour que tous les mauvais rêves soient déprogrammés. Et nous lisons pour Psaume 46. Psaume 46. Psaume 46. Verset 1 à 12. Verset 1 à 12. Pour que tu le lis 30 fois. Et tu l'as. Je prie et remercie à Dieu. Tel que Dieu a brisé ses armes. Alors, alors que tout soit brisé. Alors je prie pour toi. Alors que Dieu amène l'ennemi. Alors que toute horreur qui apparaît. Oui, toute horreur qui apparaît. Alors que tout jour qui vient. Alors que Dieu se lève. Alors que Dieu répond. Alors que Dieu soit favorable. Alors je te remets à Dieu. Je prie pour toi. Alors que toutes les rêves que tu n'as pas encore fait. Alors celles que tu as déjà fait et que leurs œuvres sont dans ta vie, alors je les arrête au nom de Jésus. Alors le sang de Jésus est versé là-dessus. Alors toute mauvaise vie, alors écoute la parole. Ce que tu as pour moi, ce ne sera pas ainsi. Alors toutes lettres, alors qu'on t'a donné, alors tu as pris depuis là, alors tu as pris depuis Lucifer, alors tu as pris depuis Lucifer, alors je vais le sang de Jésus là-dessus et je les arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu viens de m'écouter. Si tu m'écoutes, tu dois savoir. Aujourd'hui, c'est l'offrande spéciale. Aujourd'hui, tu vas faire donc enlever l'argent pour dire que tu es en train de déprogrammer ta mauvaise langue. Si tu, ça te plaît, tu peux l'envoyer directement. Si cela ne te plaît pas, tu le mets dans l'enveloppe. Alors, arrivé donc dans la maison d'assurance, alors tu te, si tu arrives au camp, alors toi-même, tu peux le faire. Alors au moment où on va annoncer cela, alors tel on le fait. Et c'est comme ça que si tu m'écoutes, aujourd'hui, alors c'est le 13e jour. Alors la prière disait que toute écriture, alors je les brûle au nom de Jésus. Alors toute trône, mauvaise trône, alors que cela se brille au nom de Jésus. Alors toute trône spirituelle. Alors, ce ne serait jamais ainsi comme l'ennemi l'a voulu. C'est ça. Au nom de Jésus. Seigneur, révèle la gloire de ton nom pour que l'ennemi se taise à jamais. Nous sommes 12 janvier. Si je prends 12 janvier. 2000. Hein? Si je prends la date là. Alors le siège. Que le travail de la personne a de problème. Alors l'argent qui doit venir. Dans le travail, alors qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. C'est ça donc le trône. Le siège est en train de dire. Alors qu'il trouve des problèmes dans la notion de temps, je prie pour toi alors que ce trône soit brisé. Si tu m'écoutes, alors si on parle de trône, c'est pourquoi aujourd'hui, parfois je suis revenu. Ce que j'ai enseigné, ce que j'ai enseigné le matin, c'est au camp que je voulais le faire. Mais je lui ai dit que si je l'ai enseigné au camp, tu vas prier seulement et partir. Et que les gens qui se trouvent un peu loin, eux, ils ne vont pas écouter.
Donc je dois corriger certaines choses avant que tu n'arrives. Alors tu vas aller au camp et tu vas, le temps arrivé, tu ne vas plus y aller. Alors c'est ce que moi j'ai refusé. C'est ça. Ce que tu dois faire sera pour et ce que tu dois dire à toi qui sera là. Après ce serait donc maçon. Alors je te la retire. Ce que tu as dit. Alors tu vas veiller que tu as parlé. Alors je veille à ce que. Alors ce sera ainsi. Je prie pour toi. Alors on t'a fait à l'image de Dieu. Donc tu as déclaré quelque chose. Alors tu dois mourir pour cette chose. Pour que cette parole soit réelle. Je prie pour vous. Que Dieu soit favorable. Au nom de Jésus. C'est pourquoi le trône que tu as. Alors tu ça doit proclamer la gloire de Dieu. Et ça doit attirer donc la bénédiction dans ta vie. C'est ça. Alors c'est là le thème de mon enseignement. Mon siège proclame la gloire de Dieu. Mon siège attire la bénédiction. Mon siège proclame la gloire de Dieu et attire la bénédiction. Alors le trône, le siège. Alors ça doit être dans le siège de l'histoire. Alors restez au foyer jusqu'à la fin. C'est ça, je dois rester sur ce trône. Travailler et avoir de profit. Je dois rester sur ce trône. Je ne vais pas rester sur un trône où je trouve la mort. Viens, on va voir. C'est quoi? Alors, la chose même a commencé au moment où tu es né. C'est ça. C'est ça le problème même. Moïse. C'est quoi? Tel qu'il est né. Alors, le problème a commencé. On est en train de donner naissance aux enfants. Sera. Écoute. Programme photo Exode chapitre 1. Exode. Vous savez que vous venir. Exode. Bantam. Chapitre 1. Et lui, il m'en a fait. Ce que j'en sais. Jusqu'à ce que je t'ai dit. Je peux dire, non. Alors le mauvais siège sur lequel tu t'es assis. Alors qu'il soit brisé. Alors le siège qui parle. Que ta vie a détruit. Moi, c'est pas que je vais ta bande. Verset 1. Ah, mais il y a des. Verset 16. C'est lui, bon mot là. Écoute. Némiel, Vichemna, Ebre, Nyonou, Ade, Eyemipo, le Vidjipé, Bena, Unchuvila, Ekama, Miaoui. Il y a la loi. Si on doit enfanter, au moment où l'enfant est né, on n'a qu'à tuer l'enfant. Il y a deux façons de tuer. On va te tuer, tu vas mourir définitivement dans ta terre. Certains moments, tu vas pas mourir. Mais on va te mettre. Mais on va tuer ton avenir. Oui. Ta destinée sera détruite. Et ils vont te détruire. Et ils vont programmer. Ils vont programmer autre chose. Je prie pour toi. Tel que tu m'écoutes. Aujourd'hui, 13e. Je prie pour toi. Les prophétises. Alors le siège qui se lève contre toi. Alors, le programme de l'ennemi. Alors je l'efface. Si tu m'écoutes, dis-moi amen. Verset 22. C'est ça le deuxième verset. Si quelqu'un a enfanté, on jette l'enfant dans la rivière. On vient de donner l'enfant. Je prie pour toi. Alors, la rivière contrôle ta vie. Je prie pour vous. Dans les 32 jours. Je vais te dire. Ça me donne le droit de te dire. Après, ça ne sera pas ainsi tel ennemi. Là, si tu veux. Alors la grâce est venue sur toi. Amen. Ah, je suis très content que c'est Dieu qui a établi ce programme. Que le 16. Ça, c'est exactement la moitié des 32 jours. Alors, je t'invite dans la maison d'assurance à Kotime, Batoube. Pour que tu viennes rester et demeurer dans la maison de Dieu. Si tu m'écoutes, écoute. Ciao, ciao, ciao.
C'est grave. Si l'enfant vient de naître, on n'a qu'à jeter dans la rivière. C'est comme ça, toute personne. Si tu es né, alors le programme est venu sur ta vie automatiquement. Et si tu ne le connais pas, c'est exactement que ta vie sera détruite. Écoute. Jean va bien. L'autre enseignement aussi n'est pas encore fini, mais je reviendrai. Job 5. Verset 6. Le malheur, ça ne vient pas de la puissance. Ce n'est pas de l'herbe. Ça vient d'une puissance. C'est ça. C'est pourquoi le 13e jour, alors donc le ciel sur lequel tu es poussé, alors que ça soit brisé, pour que le nom de Dieu, alors cette écriture, alors donc le ciel. Ça ne vient pas de la poussière. Je prie pour toi. Alors ça ne dépend pas où tu es. Alors le malheur et le blair donc s'enlèvent dans ta vie au nom de Jésus. Alors le malheur. Alors le malheur et le. Oui, le malheur. Alors donc ça raconte le lieu où vient le malheur. C'est ça. Il ne vient pas de la poussière. Ce qui est en train de passer chez toi, il ne vient pas de la poussière. Il ne vient pas dans l'air. Je prie pour toi. Alors la personne à qui appartient alors dans la puissance qui vient de la poussière et qui est Lucifer, alors il est derrière tout ce qui se passe. Je prie pour toi. Alors cette lien qui est entre vous, alors que ça soit brisé au nom de Jésus. Si tu m'écoutes, alors donc les combats viennent de s'acheter. Alors verset 7. Elle est globale. Hey! Que bonji, alors que toi, rien toi même, avalesi, Johi Jonaïa, Jien, Oberoji, alors que toi. On dit l'homme vient de naître pour souffrir. Avaleye, Zomafi, Yinayam, comme l'intercelle pour voler. Alors lorsque tu es né, alors il est programmé comme ça. Mais comme nous sommes rencontrés, alors ce qu'on a programmé, alors c'est mensonge. C'est pourquoi il y a un enseignement. Tu dois venir écouter ça. Et que ta pensée doit changer. Oui, ta tête doit changer. Alors ta vision doit changer. Ta compréhension doit changer. Et tu vas gagner. C'est ça. Alors la grâce de Dieu est sur toi. Si tu m'écoutes, Vendrola, juge. Maoule Wandelo. Dieu fait quelque chose. Aye, Ole Dabo, Zibbleman, le Théo. Il est en train de déprogrammer le ciel. Malengne. Le siège. Aye, ma peur Christophe, vous venez. Et alors, je lui donne le sang de Jésus. Même mon Christophe, et vous. Alors qu'il prend donc le sang de Jésus. Nene, qu'il soit saoulé. Qu'il soit saoulé, le sang de Jésus. Nene. C'est ça. Mais à monsieur, je prie pour toi. Mais ça nous dépend de où tu t'es posé. Alors donc le siège que tu as. Alors l'écriture dit ceux qui se trouvent sur le cheval. Vous qui êtes assis sur les tapis. Vous qui êtes assis au bord de la route. L'écriture dit chanter. Alors ça ne dépend pas de quel jour. Alors donc le chant de louange sera dans ta bouche. Alors Dieu révélera la gloire de son nom. Mais à monsieur, d'autres te dit non, il y a monsieur, non, contre dit. Papa, mais à monsieur, le moto là, moto, il dira. Mais à monsieur, on a eu le moto. Vous qui êtes assis au bord de la route. Toi qui es sur l'annexe blanche. C'est toi qui es assis sur donc tapis. Alors, les chansons vont déprogrammer le mal que tu trouveras là-bas. C'est ça. C'est ça. Si tu m'écoutes.
Alors donc, l'ordre, c'est de chanter. Ça ne dépend pas de quelle position tu es placé. Ça ne dépend pas de ce qui se passe dans ta vie. La journée. Dans cette marche, tout ce qu'on t'a donné, on a demandé, ça va déprogrammer un programme de ta vie. Et tu seras très content. Et tu vas dire donc adorer Dieu est si bien. Tu vas voir le problème du siège. Alors l'ordre, c'est de changer ta place. Alors la position dans laquelle tu t'es mis, ce n'est pas ta volonté en réalité. Alors, 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, verset 13 à 18. Et si on va là, pour Eli Bobono Zikuji, le Agbon, le Motapon, et la Bena, Mopé Adakalana. Na, mais de Jidi, et si on 13, et si on va là, ou pour un, et les Bobono, Fiasi Pudi, les Agbon, et le Motapon, et le Motapon, et la Bena, Mauve Arakala, na, mais de Jidi, oh, et yes, si on chula va bole, le douame là, tete, doubli bola, doubli, et fiamme, et li. Ce qui veut dire qu'Elie a pris un siège et il s'est assis au bord de la maison. Il est sacrifié. Il est sacrifié. Alors les enfants sont partis. Alors où est l'église? Alors il est sacrificateur. Alors tes enfants sont partis à la guerre. Alors où tu seras? Il a pris un siège pour s'asseoir au bord de la route. Alors devant sa maison. Alors sur quelle position on t'a mis? Alors donc tu es là. Alors c'est le mal que tu fais. Je prie pour toi. Alors que toutes les liens se brisent. Alors que tout mauvais lien soit brisé. Écoute. Il n'a jamais vu. Il va aller à Bono. Alors il est là où on. Pourquoi il n'est pas dans l'église? Où on veut que il soit. Alors pour que le malheur te soit. Mais je prie pour toi. Alors la position sur laquelle on t'a mis. Alors je le refuse. Et je laisse. Alors tu ne seras pas dans. Et que le mauvais sera. Et ce qui va se passer va détruire ta vie. C'est là. Écoute. Un aveugle ne peut pas demander qu'on l'amène dans le temple. Alors il demande à ce qu'on l'amène devant le portail de sa maison. Parce qu'il est au niveau donc de la tristesse. Alors, il est au niveau de lamentation, de malheur. Je prie pour toi. Alors quitte ce niveau. L'endroit où on t'a déposé. Alors je brise ce siège. Et que le nom, la gloire de Dieu, de Dieu soit révélé dans ta vie. C'est là. Écoute. Sur le trône sur lequel tu t'assis, c'est là qui appelle l'endroit où il est. Alors il attend voir donc le malheur. Ce n'est pas sa volonté. C'est le ciel. Oui, c'est ça, la position sur le on l'a dit. C'est ça qui vient. C'est ça qui appelle. C'est pourquoi l'homme approche. Il dit, je viens d'arriver au champ de bataille. Alors je suis venu pour te dire. Je prie pour toi. Alors que les combats s'achèvent dans le monde. Et que donc l'annonce, le message, ce serait donc sur le ciel que je suis assis. Et c'est lui qui a fait appel. Je prie dans l'année 2023. Alors ce message ne viendra pas. Si tu m'écoutes, dis-moi amen. Dans la dôme, Israël, si le fils est homme, et il y a aussi du cola, Toto, Viove, Sophénie,
plaît Pinéhas, c'est la position. On va les tourner. On vient de le dire. Alors là, alors donc les Israélites ont fui les Philistins. Alors les ceux qui gagnent, ils ont fui. Alors ils ont fui. Alors tes deux enfants sont morts. Et l'arche de l'alliance aussi l'ont saisi. Alors je prie pour toi. Alors le malheur. Alors le malheur. Je l'enlève sa malédiction. Ce qu'ils ont proclamé. Alors qui va te faire pleurer. Alors je brise donc tous ces défis. Alors verset 18. Alors verset 18. Si c'est mauvais. Adaka Nkola, et si, ou se mope Adaka Nkola, et moucho, et vesipuji, et jere, a polan. Di, et neje, a polan, et ye, ou toko, et kou, et la vena, a metichi ou ye, et ye pepele, et drogon, na Israfe, et drogon, et blaneso, a me yotona mou. Quelqu'un qui a travaillé à Dieu 40 ans. Regardez comment il est. Alors il a quitté son il a quitté donc le temple. Quand Dieu appelait Samuel, c'est lui qui avait dit que c'est le pasteur. C'est pourquoi si tu es pasteur, si tu ne connais pas le problème, tu vas travailler, mais tu vas terminer mal. Si tu es un homme, si tu m'écoutes, alors écoute. Alors le ciel qui envoie ce message, je les arrête, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de briser les ciels. Alors je brûle toutes les écritures de l'ennemi. On dit, cet homme-là, il s'est renversé. Et il est mort. On dit, il est lourd. Il a travaillé 40 ans. Alors il a jugé les peuples de 40 ans. Et donc lâche la tête. Alors ses enfants sont morts. C'est ça l'œuvre de siège. Et tu me parles bon. C'est pourquoi je suis venu. Ce qui est bizarre. 18 ans. Et dangereux. C'est là. Je n'ai pas tu me dis. Prie à partir d'aujourd'hui. Et à partir d'aujourd'hui. Alors toute mauvaise sieste soit brisée. Alors si tu es assis quelque part sur un siège. Alors si tu es volant. Si tu es sur volant. Alors à partir d'aujourd'hui. Alors toute mauvaise sieste soit brisée. Si tu es dans même temps. Alors en Jésus dans ta maison. Mais à partir d'aujourd'hui. Alors toute mauvaise siège soit brisée. Mais si tu es au marché. Alors frappe le siège et tu sois brisé. Je ne serai pas. Alors le siège sur lequel je me trouve ne me tuera pas. Alors le mauvais message ne viendra pas. Je prie pour vous. Alors la grâce de Dieu soit sur vous. Alors on ne va pas faire le combat. On ne va pas me prendre. On ne va pas prendre mon Dieu. Alors je prie pour toi. Alors la grâce soit sur toi. Et que la gloire de Dieu soit descendue sur toi. Sera bon nous y a Dieu. Est-ce que c'est mal ouvert? Que le roi Pinéhas sera fou. Et si vous savez, au moment où vous avez dit, 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 vous avez Iskabod, Hebrovena, Ntikoko, Jole, Israeli, Elabana, Mauve, Adakala, et toi, Papel Soa, Oku. Regardez, c'est triste. Alors, la gloire de Dieu va te quitter. Lucifer est programmé. Parce ce que Lucifer a programmé, que ta vie ne soit pas douce. Merci. Alors que tu sois douce. Je prie. Alors, prophète, que si tu me coupes, alors la grâce soit sur toi. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi toutes les prières que nous avons écrites. Prière au Nyebe.
Par exemple, nous disons le 1er janvier 1984. Si on, quelqu'un est né le 1er janvier, 1984, tu vas dire, ces gens-là, tu as fauté, tu as fait quoi? C'est la tristesse. Et le siège qui est dangereux. Alors donc, il y a la destruction de tes relations. Alors les biens, il y a les biens. Tu vas dire que tu pries ou bien tu pries à Dieu. Alors change le siège. Alors vous qui avez l'ancien trône sur vous, alors je prie pour que ce soit brisé. Alors tel que tu meurs sur ton trône, alors je prie pour toi alors que ce siège soit enlevé au nom de Jésus. Si tu m'écoutes, dis-moi Amen. C'est triste. Tu viens, tu as compris? Va, ne m'a glenao. Le sien sous à la. Viens pour que je te dise que Dieu m'a fait. Va, ne m'a glenao. Alors viens pour que je te témoigne. Le dit. Va, ne m'a glenao. Le sien sous à la. Ce que mon Dieu m'a fait. Et yo, donne. Il m'a guéri. Et l'âme et vous. Il m'a donné la liberté. Oh. Viens, je vais te dire ce que Jésus m'a fait. Je prie. Alors tu ne seras plus sûr. Vous rentrez dans l'année 2023. Si tu m'écoutes, regarde le proverbe. Tu viens de m'écouter. Proverbe. La Bible renferme beaucoup de bonnes choses. Alors ils sont soulevés contre nous. Mais ils nous ont menti. Ils nous disaient qu'on nous a trompés avec la Bible. Alors le premier point. Alors ce qui est très dangereux dans la notion du siège. Alors le siège. Si tu ne pries pas, tu ne fais pas la prière. Alors tu dois commencer. Aujourd'hui, c'est le jour de briser les sièges. Alors, Proverbe 9. Verset 13 à 18. Verset 12. Et bon, non, j'ai pu dire, les feux à peu près, à balé nous, les doux à peu, cocopé. Ne y'a yo, à monsieur, tout mon dîner. Mais c'est le haut de mocho terre. Vous voyez, nous devons, alors nous devons. On dit de certaines femmes. Alors le ciel sur question aussi. Alors il attire des gens qui quittent leur bénédiction. Alors si tu fais compagnie de la personne, alors ta vie c'est pourquoi tu veux que le siège qui soit fait, qu'il n'honore pas la gloire de Dieu. Alors si tu es quelque part, alors si tu es quelque part le travail des gens, mais toi-même t'es le responsable. Je prie pour toi. Alors ce siège soit brisé au nom de Jésus. Si tu es, alors que ce siège soit brisé. C'est là. Et bon, bon, j'ai pu dire, les papes, à Balin, les doux, à Cocopé, ne yayo, à Monsieur Tomodine, à Monsieur le Opermote, à Monsieur Nye, Gemeola, ne va j'ai à fille. On dit les gens qui sont des essentiels. Pourquoi toi, homme, tu dois faire la compagnie de la femme, mais la terre de la femme n'est pas là. Pourquoi si tu te maries, tu vas mourir. Ou bien ton travail sera gâté. On dit, alors ceux qui se trouvent sur ce trône, alors il attire ces gens-là. Et ces gens-là, je prie pour vous. Alors sur quel trône se trouve la femme? Alors toi, homme, aussi, tu te trouves sur quel siège? Je prie pour vous. Alors donc, la gloire de Dieu, le siège qui crie, la gloire et la bénédiction, opportunité donc attire les opportunités. Alors alors ce matin je alors donc le ciel se fait et que donc le ciel de l'ennemi entre les alors qu'il soit brisé alors dans mon bureau alors le ciel de et que donc la date de naissance alors qu'il soit brisé alors je prie pour toi.
Alors prie. Alors dans la boutique ou bien dans le travail, l'endroit où je me trouve. Alors dans le travail. Et il y a donc des mauvais sièges dedans. Si tu t'assois, alors ça attire que des mauvaises choses. Je prie. Alors que ce siège soit brisé au nom de Jésus. Tu m'écoutes. On dit que l'eau qui a été volée, c'est doux. Ok, mais tu vas te prostituer n'importe comment. Et ça va faire que tu vas complètement te noyer. Et ta vie sera complètement. Et toi, même tu seras conscient. Que donc la femme là que j'ai touchée, alors l'homme là qui est entré dans ma vie, et que tu t'es détruit complètement. C'est pourquoi aujourd'hui, alors prie. Alors toutes ces personnes qui sont au travail, alors toutes ces sièges, alors je les brise au nom de Jésus. Moi, mais toutes ces sièges qui sont alors que je prie que ça brise au nom de Jésus. Alors ce qu'on ne fait pas, je le fais. Ce qui va être, alors si je suis mauvais coup, alors que ça se sent mauvais, alors je prie que tu viens de me prier. Alors je te touche, je prophétise sur toi. Alors tu ne seras pas sûr. Alors que la gloire de Dieu soit révélée. Ce qui veut dire que si tu approches la personne, tu mourras sur lui. C'est pourquoi même certains enfants qui sont nés même, et le ciel tel qu'il se trouve, ça fera que ses parents doivent décéder. Il dit qu'il y a les fantômes. C'est sur le trône. Et il y a donc les fantômes. Et ces gens qui ont ce trône-là, ils sont vraiment maladifs. Ils sont maladifs. Ils sont souvent malades. Et il y a un monsieur qui est là. Ce qui veut dire que si tu veux l'accompagner, tu vas mourir, tu vas mourir. Alors tu vas rester dans le tombeau. Et on les appelle les tombeaux. Je prie pour vous. Écoute-moi. Que je ne s'amuse pas. C'est ça. C'est pourquoi si ils vont dire qu'ils vont former les tombeaux. En réalité, ce n'est pas la personne qui est décédée. Ce qui veut dire que la personne même est devenue tombeau et si quelque chose l'approche, ça se détruit. C'est ça. Je prie pour les gens qui se sont assis sur cette route à cause de lui seul. Et la personne même ne va rien comprendre. Si tu m'écoutes, quelqu'un a rêvé qui va casser le cou, je lui dis que tu es tombeau. Tu dois briser ce siège. C'est une personne année. Alors c'est le programme. C'est une personne, c'est le siège sur laquelle ils sont assis spirituellement. Si tu m'écoutes, alors tout mauvais siège soit brisé à partir d'aujourd'hui. Alors tout siège soit brisé. Et que le nom de Dieu aujourd'hui. Alors quand je n'ai pas enseigné, je ne suis pas. Tu ne peux pas dire de briser le siège et tu ne vas pas savoir ce qu'on attend. Alors les tombeaux qui sont ouverts, alors que ces tombeaux soient brisés, je prie pour toi. Alors que donc, tu es donc le siège de gloire de Dieu. Soyez des sièges de gloire. Soyez des sièges de gloire. Soit assis sur le siège de gloire. L'idole va se promener. Si tu ne sais pas sur quel siège tu te trouves, tu vas condamner les gens. Tu vas parler sur toi.
Et donc ta mère même ne sait même pas sur quelle sieste. Et ce n'est pas c'est à toi donc donc l'onction que tu as, les tombeaux ne t'avalent pas. C'est pourquoi marcher avec Dieu est très loin devant toi. Si tu jeûnes, tu seras fatigué. Alors tu vas mettre. Tu vas prier, mais tu auras de malheur en chemin. Et ce qui est dangereux, au moment où Dieu va te bénir, tu n'auras même pas de ventre pour manger. Parce que tu as violé la loi de la santé. Je prie pour toi. L'Éternel dit qu'il va t'enfoncer comme clou. Et tu seras comme un siège de gloire. Je prie pour toi. Alors que le siège de gloire entre en dessous. Je prophétise sur toi. Que je te pousse sur le grand trône. Que tu sois sur le ciel de gloire. Et que tu sois quelqu'un d'honoré. Amen. Amen. Verset 25. Humble. Prophète. Mon papa. Mais va au prophète, mais doit la chose. C'est ça. Alors le petit ciel, alors que le clou soit brisé. Qu'il soit brisé. Alors que les fardeaux soient. Parce que l'Éternel t'a établi que tu es siège. Et il est en train de t'établir comme siège. Alors que tous les anciens sièges soient brisés. Je prie pour toi. Alors le sacrifice qui est sur ces clous-là soit brisé. Alors je prie. Alors que ton siège et que la gloire de Dieu que tu as fait. Alors dans ces marches-là, tu la retrouves. Si tu me goûtes, dis-moi Amen. Yeah. Tu viens de m'écouter. Aujourd'hui, c'est le jour du sacrifice. Parce que tu dois faire forcément le sacrifice. Tu vas mettre l'argent dans l'enveloppe, envoyer à l'apôtre. Ou bien là, ce dont Timoni flouze. Allô. Ou bien tu vas passer par Timoni ou flouze. Allô, la soeur vient sur la camp. Ou bien tu vas l'amener, tu vas l'amener au camp. Seigneur, toi. Toi. Alors le ciel, c'est un grand problème. Genèse 41, verset 40. C'est combien? Tu m'écoutes? C'est combien? Tu m'écoutes? Devient. L'objet veut se lever. On te demande la date naissance de l'homme, tu dis que tu ne connais pas, mais tu dis que tu pries pour l'homme. Alors tu fais quelle prière? Tiens. Alors brise les mauvais ciels qui se trouvent en dessous de ton nom. C'est ça. C'est ça. Genèse 41. Genèse 41, verset 40. Il dit, je peux te donner tout, mais mon trône, non. Non, c'est ça. Il dit donc, le peuple t'obéira.
C'est pourquoi ton trône ne n'autorise pas ce qu'on te l'a dit. Je prie pour toi. Ils ne vont pas te donner de mauvais sièges et te prendre la bonne. Et donc, dans la famille de Zébulon, et donc le siège qui a été établi dans la maison, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas détruire la vie. Alors, il y a le mauvais siège là qui est dans la maison. On fait des libations. On fait. Je prie pour toi. Alors que tous ces sièges soient brisés. Un roi. Elle est incroyable. Prophète. Papa, il m'a dit qu'on connaît bien. Amen. Et lui, il a dit tout. Il y a volé bien. Bon, je zoome même. Que Dieu nous soit favorable. Merci parce que nous avons. Alors, il y a vraiment un jour où je ne peux plus parler. Donc, Dieu, c'est pourquoi ces audios nous devraient. Alors, ceux qui écrivent. Alors, essayez de les emmagasiner sur des clés. Que ça soit un héritage. Ça, je ne les ai pas vus dans cette. Alors, je suis allé au niveau de spirituel que Dieu m'a déposé. Et il m'a dit de prendre la Bible et de le relire et de comprendre ces choses. Et pourquoi je te supplie? Alors, enregistre-les. Si tu m'appelles et tu dis que toi, tu ne pries pas, là, je m'énerve contre toi. C'est vrai. Allez, si Yahweh n'a pas pleuré, ni appelé, fiala, ni n'a pas pleuré, Salomon. Ayez, wana, et puis fiasipi, n'a pas ni appelé, fia. David peut faire ses prières. Salomon disait à Dieu, il peut faire ses prières, là, coco, ou, et toto. Que mon trône sera très élevé puisque mon père. Mais, il m'a dit, il tombe, fiasipi. Je ne veux pas que le trône de mon père. Alors qu'il soit élevé, puisque moi, tu vas être très élevé. Je prie pour moi. Alors, dans la famille, alors ton siège, ton trône doit être supérieur, élevé, puisque les autres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu viens de m'écouter. C'est ça. Tu es sur quel siège? Et que toi, tu es en dessous des gens. C'est ça. Les gens qui sont dévancés ont déjà. Alors ton ciel doit être plus grand. Alors le message doit être plus grand. Alors tu Alors ton ciel doit être élevé. Et que ton ciel doit être bénédiction. Ton père, ta mère, tes frères. Je prie pour toi. Alors la grâce est venue sur toi. Amen. 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 C'est ça. Amen. Tu ne seras pas en dessous. Alors, quatrième point. Si tu pries, tu dois faire autre chose. Et qu'il y a de nouvelles lois qui te l'ont. Parce qu'il y a certaines choses, si tu le fais, alors c'est le siège qui te l'a recommandé. Tu dois savoir que si c'est le siège qui te l'a recommandé, si c'est comme ça, alors ta vie sera détruite. Deux rois. 10. C'est pourquoi ta pensée doit être différente. Tes actions doivent être différentes. Deux rois 10, verset 3. Et que ma
Si tu peux prendre la bonne siège et tu peux changer, et d'où la changer nous, tu peux changer, tu dois changer tes actions. On a dit on n'a qu'à identifier la personne. La personne qui est meilleure. La personne qui est habile. Pour qu'on l'établisse sur le trône de son père. Pour qu'il règne sur la maison. Si tu veux que dans la famille dans laquelle tu es, tu veux régner sur la famille, tu dois changer ta façon de faire les choses. Tu dois être habile. Tu dois être très habile. Et tu règnes. Et tout le monde va s'incliner. Tu m'écoutes. Si tu vis comme eux, tu parles comme eux, mon enfant, alors l'ancien siège va toujours se trouver sur toi. Je prie pour vous. Alors, certaines personnes ont changé leur siège. Aujourd'hui, si tu les vois, tu sauras que l'ancien siège ne travaille plus. C'est Deutéronome 17. Je vais partir. Je ne peux pas terminer. Mais je reviendrai. Je reviendrai. C'est là. Écoute. Deutéronome 17. Deutéronome 17, verset 18. Nous avons 18. Et yene eva fiasidi la wana le 8 ans si onye no no laola na gogose si anglode adaleme. On dit si tu es venu sur le trône, et si tu le changes, et que tu aies de nouvelles siècles, alors il y a de nouvelles lois. Ça doit être. Quand le ciel de gloire est venu en dessous, alors une nouvelle loi doit commencer à régir ta vie. Alors c'est qu'un point. Alors tu dois changer le ciel. Ézéchiel 26. Ézéchiel 26. Je vais partir. Ézéchiel 26. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas prier pour faire cette prière pour que tout mauvais siège qui soit brisé alors toutes ces sièges celles que Satan a mis alors je prie je ne serai plus sur mon siège alors donc mon siège sera plus élevé que celle de mon père. 26 verset 7 c'est là. Futa amegao kata adile ope fiasiku yoji de ani obele ameyo futa amegao kata wadile ope siji. Ah donc les rois de mer descendront sur le trône. Et ils wadile ope wodani. Et ils vont enlever leur manteau. C'est là. Futa amegao kata adile ope siji de ani wadile ope awopla yaudi et ils wadile ope avamongo yaudi moji anye acho. Wa bobo no anyigba wa no jojo nyanyanya da eye ope nu nu akude nu o que tout na se écoute et voilà tu les yeux tu dois quitter le siège mais quand il radio quel que soit ce qui soit tout bon avec ta belle de tu es prophète j'ai dit non alors le siège et je double le va et que tu la tu les yeux tu dois quitter au bébé ma et là de le alors donc c'est ta tout bon avec ta belle ma petit coco mes yeux là va te alors le siège de gloire et lui là va bon mais là tu on a lui le jour ça et ce qui doit venir dans ta vie doit être différent de ce qui se passait avant Matthieu va bon ta vie à chaque kilo Matthieu Matthieu. C'est pourquoi cette prière, on ne s'amuse pas avec. Tu vas prier. Prier. Jusqu'à la fin de la journée. Matthieu va balayer ta vie à chaque pipi blanc. Vous niez les blancs. Eh, yes, blanc, au bena, va, va, mais les blancs, mi bena. Mais à monsieur, j'ai eu une mala. Les nouveaux, vous boga, tout me dit, vous boga, dit mela. Besibeke apetola la abobo ano epe fiasikwi la di la miao ha mia bobo no zikwi yevedi eye mia drobo no Israel pour me vie miao
Jésus fait la promesse de siège. Il dit, en faisant toutes choses, après avoir terminé, ceux qui sont restés, avec, je vous donne autre siège. Je prie avec Dieu dans les 32 jours. Alors qu'autre siège te soit. Je prie. Alors tu as eu notre siège. Et je proclame. Donc, si on termine tout, alors donc le siège de victoire est en dessous. Si tu m'écoutes, dis-moi Amen. Apocalypse 4:4. Amen. Mon papa. Bébé. Je demande qu'est-ce que j'ai fait. Il m'a donné cette grâce et il m'a envoyé vers toi. Écoute. Apocalypse 4, verset 4. Eye amega ho bla vevo ene bobo na nyire jikuji eye odo awola ya yi eye sika fi akuku le tanao e bele mawo yi ona nyire bezikuji et dit quand Dieu s'est assis sur son trône jikuji amega vevo ne il y a 24 trônes qui l'entourent eye amodo lona ae amega ho na nyire il y a les vieillards qui sont assis là dessus yo pokala mawo et ils sont fi akuku le tanao et ils ont donc le la couronne maintenant quand tu es venu sur terre alors tu es assis sur quel trône et quel est ton trône alors dans les 32 jours alors il a enlevé le mauvais siège pour toi. Je prie pour toi alors ce siège soit brisé. Je prie prophétique pour toi au moment où alors ton trône que tu as où tu l'as déposé alors donc les rois soient brisés. Que dans les grands magasins, alors que ton trône sort, alors je te le mets là-dessous. Alors on a changé le nom de Dieu dans ta vie. Si je vais te quitter aujourd'hui, on t'a changé le ciel. Aujourd'hui, c'est le sacrifice spécial. Je ne vais pas te demander. Alors toi, mais tu apprends que ce qu'on a fait aujourd'hui, tu dois faire de ce que tu appelle-moi mécanicien. Tu n'as rien. Je te bénis. Au nom de Jésus. Alors l'interprète, c'est ton métier. Pour te dire, c'est comme cela. Quel prophète? Je te bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu m'écoutes. On va se voir vendredi. Et tu vas rendre la gloire. La gloire que tu as perdue, tu vas rendre. Samedi. Galadi. Alors donc la cloche sonnera. Et tu vas t'incliner, te prosterner. C'est quoi? Je veux qu'à faire ça. 12 fois avant. Pour que la terre et les cieux te soient donnés. Le Yesu ben comme. Au nom de Jésus. Waouh. Maoula ou un peu nous. Dieu fera miracle. Bye bye.